Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, une nouvelle petite vidéo. Alors, j'ai essayé d'en faire une tout à l'heure, mais je sais pas, elle veut pas passer. Elle fait 24 minutes. Bon, c'était la première fois que j'en faisais une aussi longue. D'habitude, elles font 5-6 minutes. Et je sais pas, elle veut pas passer. Peut-être que vous saurez m'expliquer pourquoi. Moi, j'ai pas compris. Donc voilà. Bon, on va allumer un petit peu. Pardon, je monte mon gros visage. Voilà, un petit peu de lumière. Voilà. Alors là, je vais faire un petit haul. Bon, tout est déjà ouvert, hein, vu que je l'ai fait tout à l'heure, mais que ça ne veut pas passer. Voilà, donc chez Monsieur Amazon, j'ai acheté des trombones, des gros trombones pour faire des paper clips. Voilà, donc il y en a des noirs, des grises, des roses, des or, des bleus, des un peu plus foncés en or, des violets plus pâles, du vert clair. Enfin, ils sont super jolis, voilà. J'adore. Parce qu'on m'avait fait ça, je vais vous montrer. Hop, j'ai une copine scrapeuse qui m'avait fait une Lodide. Et elle m'avait fait des paperclips. Et j'ai vu plusieurs tutos de paperclips et j'ai beaucoup aimé. Donc, j'aimerais bien essayer d'en faire aussi. Bon, si vous entendez un peu parler derrière, c'est ma maman. Voilà. Pourtant, je suis dans mon bureau. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et j'ai commandé aussi ces paperclips-là chez Amazon aussi, qui sont un peu plus petits. Voilà. De ce format-ci. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà mon petit haul, vraiment tout petit. C'est quoi qui tombe? Hop. Mon petit haul. Mais bien sympathique, hein, j'espère, pour vous, que ça vous fera... voilà, que vous serez content de voir ces super trombones. Et donc, j'avais aussi une petite question à vous poser. S'il y a des youtubeuses qui me suivent, des scrap youtubeuses, comment faites-vous pour, avant la vidéo que vous allez passer, pour mettre une photo? J'ai pas compris comment on faisait, donc si vous pouvez m'expliquer, en étant pas dans trop des explications trop compliquées, et comment vous faites pour mettre des commentaires aussi avant, quand vous allez préparer quelque chose. Des fois, vous mettez des commentaires et tout ça. Enfin, pas en commentaire après les vidéos, mais un petit encart, comme si vous alliez mettre une vidéo, mais c'est un encart que vous avez écrit où vous expliquez ce qui va se passer dans la semaine, ce que vous allez mettre ou pas. J'aimerais bien que vous puissiez m'expliquer tout ça parce que j'ai pas compris. J'ai essayé et j'ai pas compris comment vous avez pour mettre aussi des commentaires. Donc voilà, si vous pouvez m'expliquer, j'aimerais bien parce que j'aimerais bien pouvoir mettre aussi de temps en temps des petits commentaires et surtout mettre une photo avant ma vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, même à très bientôt parce que je vais faire une autre vidéo du coup, vu que l'autre avait l'air trop lourde, je vais faire une vidéo balle du bonheur. Donc vous en aurez certainement deux à la suite. Voilà, je vous fais des gros bisous, bye bye, à bientôt.